Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va faire une petite vidéo. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Et du coup, comment on va procéder? Je sais pas. On va déjà aller voir quelle est l'énergie pour vous aujourd'hui. Ok. On me dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un pro de vous conseiller. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, concrètement, peut-être besoin de conseils importants, mais d'une personne experte en la matière. Donc ça peut être dans tout ce qui est en lien avec des soins énergétiques, thérapeute, kinésiologie, tout ce qui est psychologie, etc. Mais ça peut être quelqu'un qui s'y connaît aussi dans la banque. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Là, il y aura des conseils à demander, des conseils à écouter. Et il faudra sincèrement vous livrer le fond de votre pensée à cette personne pour qu'elle puisse vous aider et trouver un équilibre entre le matériel et l'affectif. Là, il y a comme des colères. On montre ici roi d'air. Donc, il y a des choses qui s'envolent. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nettoyage et de purification qui est en train de se faire. On dit soyez diplomate, d'accord? C'est important. Je mets l'énergie ici. Donc ça sera l'énergie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok? On va aller. Je ne sais pas si faire un tirage à choix. Allez, on y va. On va commencer avec le bélier. Allez, c'est parti. Quels sont les messages importants pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Je me connecte à la source divine pour avoir les messages et la vérité pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Tirage intemporel, peu importe au moment où vous la regarderez, il y aura un message pour vous. Ok. Là, on me dit ici qu'il y a une réussite. En fait, aussi pour certaines personnes, vous essayez de trouver la réussite, vous essayez de vous diriger vers une réussite, mais pour ça, il va falloir régler quelque chose en lien avec une fin. Donc ça peut être dans un domaine pro, ça peut être dans un domaine matériel, affectif, dans un domaine sentimental. Mais là, on me montre bien ici que vous avez des choses à régler. Voilà, c'est simple et du coup ça amènera une réussite. Mais si vous ne réglez pas ce qu'il y a à régler, du coup, il n'y a pas de réussite. Donc ça veut dire que agissez avec votre cœur. Parce que peut-être que si vous agissez avec seulement la tête ou seulement le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc équilibrez les deux pour pouvoir agir et pouvoir atteindre la réussite. Qu'est-ce qui va se passer d'important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, on parle ici de nouveautés, de nouveaux projets. À la base, elle était à l'envers. Donc, bon, le tas était comme ça. En fait, c'est comme si certaines personnes aimeraient passer à quelque chose de nouveau, de neuf, un nouveau projet, peu importe dans la situation. Mais en fait, on n'y arrive pas parce qu'il y a des choses à faire, des choses à régler, des choses à éclaircir pour retrouver le bonheur. Vous voyez? On me dit, vous découvrez certaines choses, vous apprenez certaines choses. On me parle ici de il y a quelqu'un qui vous observe, qui regarde, ça peut être vous hein, qui regardez. Alors ça peut montrer ici la découverte en observant quelqu'un. Ça peut être ici de l'espionnage pour certaines personnes. Ça peut être ici on découvre certaines choses. Il peut y avoir des formations aussi pour certaines personnes. On découvre des choses en lien avec tout ce qui est l'étranger, une autre région ou en lien avec une personne ou une situation qui est à distance, à distance. On parle ici de cadeaux, d'une opportunité. Donc c'est comme si ce que vous allez découvrir sera un cadeau pour vous. D'accord? Pour pouvoir avancer. Alors, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre futur? En tout cas, au moment où vous regarderez cette vidéo.
me connecte à la source divine pour avoir la vérité et les bons messages. Alors, on me montre ici, mes petits anges, qu'il y a quelque chose qui se coupe. Quelque chose qui se coupe en votre faveur, mais c'est couper surtout tout ce qui est en lien avec les peurs. Les peurs, les méfiances, les doutes, les questionnements. Et du coup, ça va vous permettre d'éclaircir votre tête, votre mental. Enfin, ça va vous permettre, en coupant les peurs, etc., de comprendre certaines choses. Par rapport à tout ce qui peut être en lien avec le sentimental. Là, vous doutez. Vous doutez peut-être d'une personne. Est-ce que cette personne a des sentiments ou pas? Est-ce que vous, vous en avez ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne ou pas? Enfin, voilà. En tout cas, par rapport à ça, on a des solutions. En tout cas, on a des éclaircissements. Peut-être des éclaircissements en lien avec des personnes proches. Famille, amis. Quelqu'un que vous considérez comme la famille, qui pourra vous aider à rééquilibrer certaines choses. On peut me parler ici de choses cachées, non dites, qui est encore dans l'ombre, parce que l'univers est en train d'agir derrière votre dos. Et que quand ce sera le bon moment, il mettra les choses en lumière. Il peut y avoir aussi des choses qui vont se régler en lien avec la famille. Notaire, avocat, loi, justice... tout ce qui est travail, tout ce qui peut être banque, tout ce qui peut être document, paperasse. Il y a des choses ici cachées, non dites, qui ne sont pas éclaircies. Sachez qu'il va y avoir un changement par rapport à ce que je vous ai énuméré. On parle de changement, de transformation par rapport au manque que vous pouviez ressentir, que vous pouvez encore ressentir aujourd'hui. Vous allez en tout cas vous éloigner d'un manque et ce sera positif. D'accord ? Donc, vous allez faire en sorte que vous vous éloignez d'un manque. Donc, peut-être qu'il peut y avoir un manque par rapport à des documents, un manque par rapport à tout ce qui est engagement, un manque par rapport à tout ce qui est en lien avec le mariage, le pax, l'engagement, l'union. Voilà. Là, ici, vous allez essayer de vous libérer d'un manque en changeant et en transformant quelque chose, peut-être en lien avec la famille, qui pourrait vous aider. On parle ici de 77, la carte 77, qui montre ici que vous allez utiliser votre expérience du passé pour votre présent et votre futur. Et j'ai la sensation que certaines personnes n'agiront pas comme dans le passé. Là, en fait, ce qu'on me montre, c'est que vous allez agir autrement. On me parle ici, mes petits anges, de retour d'une personne, retour d'une situation, peut-être des retards aussi dans une situation. Il va y avoir en tout cas le retour de nouvelles, le retour de messages, le retour de communication avec une personne. Et du coup, ça va apporter quoi ? De la chance. Donc ça peut être vous qui revenez vers quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. En tout cas, on montre ici de la chance. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, vous allez... ne plus être dans la réflexion, vous allez vivre l'instant présent. Vous allez arrêter de réfléchir, penser, radoter, et du coup retrouver votre place. On parle de tristesse, mais vous êtes en train d'essayer de vous éloigner de cette tristesse et ce mal-être, surtout si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. On parle de octobre, novembre, décembre, qu'on se libère d'un blocage avec cette personne. D'accord ? Et on me montre bien parce que pourquoi ? Vous ouvrez votre cœur, tout simplement, vous êtes protégé. Il y a le divin ici qui est en train d'agir. Il peut y avoir un lien sacré avec une personne. On tourne le dos au mensonge, au secret, au non-dit, à la non-communication. Et du coup, l'univers agit. On parle ici de projet avec une personne qui a un lien fort. Avec une personne qui peut avoir un lien d'âme-sœur. Avec une personne qui peut aussi être un lien d'âme. Ça peut être la famille. Hein. Ici, on parle de frère, sœur, quelqu'un que vous considérez comme tel, quelqu'un de la famille. Donc, ça peut parler dans plusieurs situations, à plusieurs personnes. On retrouve du bien-être, du plaisir. Il y a la solution ici qui arrive pour vous, en lien avec un homme. D'accord, on me dit patience, ça peut être 1, 2, 3 semaines, en tout cas 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, mais en tout cas, il y a une mutation positive et bénéfique qui apportera de l'abondance pour vous dans le foyer, dans votre foyer, en lien avec tout ce qui est matériel.
en lien avec tout ce qui est matériel, quatre murs, maison, foyer. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec votre boulot. On parle ici de chemin beaucoup plus fluide et beaucoup plus lumineux par rapport à des communications en faisant des choix importants pour pouvoir entreprendre. En fait, le fait d'entreprendre des choses en lien avec la communication va vous permettre d'aller vers la nouveauté, vers de nouveaux projets, de nouvelles choses. Ici, on peut me parler ici de non-communication avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Ouais, on parle d'homme ici. En fait, ce que vous souhaitez vraiment, c'est de vous rapprocher de quelqu'un pour certaines personnes. On va aller plus en détail avec le petit Lenormand. Comprendre, d'accord. Dites-moi en vidéo, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse demain ou tout à l'heure si j'ai le temps. Enfin, je pense pas que j'aurai le temps parce que il y a des personnes qui attendent leur consultation, leur vidéo. J'avance en tout cas pour ces personnes. Merci pour votre patience. Bon, allez, là, vous coupez quelque chose qui a été ancré en vous. Vous coupez quelque chose en votre faveur sur vos peurs hein, et qui a été ancré pendant des années dans votre corps, dans votre cœur. En fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez tellement vécu des choses horribles, difficiles, compliquées, que vous êtes mis des croyances, des peurs et que vous vous dites non, c'est pas possible, de toute façon, impossible, impossible. Mais tout est possible dans la vie. Pensez à quelque chose qui pouvait être impossible et qui a été possible et voyez comment les choses ont évolué après et dites-vous que les choses peuvent être encore possibles émotionnellement, physiquement, dans un domaine en particulier. D'accord ? Plus de détails sur ce tirage. Ok. On me dit que si vous êtes un homme, c'est vous qui vous mettez des peurs. Vous mettez des peurs, des blocages, des angoisses, du stress. Vous avez peur de... En fait, peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose alors qu'il n'y avait rien. C'était peut-être une broutille intérieurement. Et du coup, ça vous a bloqué. C'est parce que ça vous a fait repenser à certaines choses du passé. Mais en fait, chaque situation est différente. C'est vous qui vous mettez des croyances. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Vos peurs. Plus de détails. Allez, on y va, je me connecte à la source divine pour avoir plus de détails sur chaque carte, pour livrer les messages aux personnes qui regarderont cette vidéo. Ouais, ok. Ok. Là, on me montre ici qu'en période d'octobre, en tout cas aujourd'hui, il y a une situation qui va bouger ou changer dans vos émotions en tout cas. On me dit bien ici que vous allez essayer de couper des choses en lien avec tout ce qui est ancré émotionnellement et compliqué, difficile, vos peurs, etc. On me dit que du coup vous allez réussir à être éclairci en coupant ceci et à vous éloigner de la peur, à vous éloigner de la méfiance, des doutes et des questionnements. On me montre bien ici des sentiments forts et partagés, mais à l'envers. Donc, il y a des doutes par rapport à ça. C'est comme si, en fait, vous aviez été détruit à l'intérieur émotionnellement. En fait, c'est comme si vous étiez là-haut et que d'un coup, vous étiez tombé. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait ressurgir des émotions du passé. Et du coup, vous y croyez plus, vous n'avez plus cru à des choses. Là, on me dit que ces doutes, ces questionnements vous éloignent de l'abondance. Vos peurs vous éloignent de l'abondance. Mais vous, ce que vous allez chercher, c'est des solutions par rapport à un désengagement. Vous voyez, j'ai le contrat, la signature à l'envers. L'union, l'engagement. Là, il y a peut-être une rupture. Là, on me dit, on essaye de trouver des solutions, on essaye d'être éclairci par rapport à ça, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Là, on me parle ici de famille, de quelqu'un qui peut avoir une énergie comme famille. On peut me parler ici de lien d'âme aussi. On montre ici une étoile, la protection. Je pense que la famille va vous ramener de la lumière sur une situation qui s'est arrêtée. Vous voulez retrouver de l'équilibre sur une situation qui s'est arrêtée, qui a eu une rupture. Vous voyez, je vous aurais dit ça, là on me dit bien fin, mort de
quelque chose en lien avec tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, banque, mariage, divorce, séparation, rupture. À l'envers, elle montre que vous voulez régler des choses en lien avec cette situation par rapport à ce que j'ai énuméré, rupture, séparation, mariage, divorce, notaire, avocat, loi, justice, etc., banque. On essaye, en tout cas, de retrouver l'équilibre par rapport à une situation et de comprendre. Là, on me montre ici une femme. Une femme qu'on ne voit pas. Donc là, il peut y avoir un lien avec une femme. Il y a l'homme qui ressort, la femme qui ressort. Donc l'homme, ça peut être vous. La femme, ça peut être cette personne que vous avez dans votre cœur. Ben, on ne voit pas cette femme. En fait, cette femme peut-être se cache, ne se montre pas. Ne veut pas que vous, peut-être, vous la voyez. Ça peut être vous. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas que cette femme vous voit. En tout cas, il y a quelqu'un qui se cache. Il y a quelqu'un qui est ici caché. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses à régler, à faire. Sachez qu'il y aura un changement, une transformation par rapport à des nouvelles. Il y a un messager qui arrive à vous. Ça peut être des nouvelles de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous parle de cette personne. Ça peut être vous qui parlez de cette personne à quelqu'un. En tout cas, ça amènera des changements et une transformation. Du coup, ça va vous libérer d'un certain manque. Ça va vous libérer de votre tour ici qui était en mode dégringolé. Dégringolé, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose. Qui était en mode pas bien. Et vous voyez, on me dit oui. Quelque chose de positif arrive par rapport à cette situation. Et on me montre ici le succès. Donc la chaleur, le bien-être par rapport à tout ce qui est en lien avec le passé. Il y a de la chance qui arrive à vous. Et on me montre ici un cavalier qui arrive à vous. Ou vous qui arrivez vers une personne. Et on me parle ici en lien avec la famille. Ça mettra un peu de temps, d'accord? Parce qu'il y a des choses à éclaircir, besoin de s'éveiller. Et on me parle ici de nouveautés, de projets, qui arrivent peut-être un peu plus rapidement que prévu, en lien avec des choix par rapport à une femme qui a des enfants ou un papa qui a des enfants, sur une communication, une non-communication. Donc, il y a peut-être des choses qui vont avancer petit à petit par rapport à ça. Ok, je vais continuer. Là, on me montre bien en tout cas le retour de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. On va demander des détails par rapport à ce retour. D'accord ? On dit oui. Quels sont les détails par rapport au retour de cette personne ? Là, on parle ici d'un papa qui a des enfants, ou d'une maman qui a des enfants, ou en tout cas une personne qui porte des fortes responsabilités. Quelqu'un qui porte de fortes responsabilités, quelqu'un qui a une force, un courage, quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, difficiles, et que cette personne porte sur elle ou sur lui. Des détails par rapport à cette personne. Waouh. Ok, j'ai trop de cartes. Bon, on montre quand même la chance. Un cavalier qui arrive. J'ai trop de cartes. Et cette carte, c'est quoi? Le destin. Pour moi, avec cette personne, on montre quand même le destin, la solution, de trouver quelque chose qui va se régler. On montre ici l'étoile, vous voyez, des nouvelles par rapport à l'étoile, par rapport au divin, à la lumière, au guide. En tout cas, cette situation, ou si vous pensez à quelqu'un, en tout cas, vous êtes protégé. Plus de détails par rapport à cette personne, ici. Alors, on me montre ici un homme. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Quelqu'un qui a finalement finalisé quelque chose, arrêté quelque chose. Ouais, on parle de contrat signature, de dégâts en lien avec un engagement. Quelqu'un qui veut arrêter quelque chose. Parce que cette personne n'accepte pas l'abondance.
plus de détails. C'est comme si, en fait, cette personne qui a arrêté quelque chose est dans l'indécision de réellement arrêter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bouquet de fleurs. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui va grandir, fleurir. On peut montrer ici des cadeaux. La communication. Un message envoyé, reçu. De la chance ici. Et la joie, le soleil, le bonheur. Mais pour ça, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez réellement. Je pense que vous serez aidé par des personnes. Alors, des détails sur cette carte-là de fin. Parce qu'elle est, c'est la fin de la, c'est la mort, en fait, la rupture de quelque chose, une situation. Mais elle est à l'envers. Donc, ok, on tranche. Il y a une décision très fulgurante qui a été prise, mais qui a été faite, je pense, par sans réflexion, en fait, c'est par colère ou par vengeance. On montre ici l'étoile, vous êtes protégé par rapport à cette décision. Il y a eu des mauvaises personnes autour de vous, ou en tout cas des personnes qui ont beaucoup parlé, du coup, ça a pu bloquer cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui bloque cette situation. On montre la fleur, le lys. Des choses qui seront faites, mais lentement. J'ai la lune, peut-être la lune, ouais. On montre ici le cœur. Donc il y a des sentiments ici. Ok, par rapport à justement la rupture, parce que là j'ai le désengagement aussi. En fait, on est dans l'indécision d'une situation réelle, on ne sait pas trop en fait. Il y a certaines personnes ici qui ne savent pas réellement, mais qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je suis dans cette situation? Ce qu'on va faire, c'est on va faire un tirage à choix. Donc, je vais prendre la pierre de cristal de roche. Je vais prendre ici une petite fiole où il y a un message dedans. Je pense à toi. Et on va prendre le petit Bouddha. Ok? Vous voyez ou pas? Alors, pour toutes les personnes qui auront choisi le cristal de roche, posez une question, on va y répondre. On me dit restez positif par rapport à votre question. N'arrêtez pas d'y croire. Ne baissez pas les bras. Il y aura un rétablissement. Ok? Par rapport à votre question, les détails. Discuter, communiquer. Sans crier, en fait. Et ça amènera des décisions avec une discussion. Une communication non violente. On me montre ici un retour. Le retour d'une personne, d'une situation, ça mettra un peu de temps. On parle ici de quelqu'un, peut-être qui va essayer d'utiliser tout ce qui est la sexualité, le charnel, etc. Donc, soyez clair dans ce que vous souhaitez et dans ce que vous ne voulez pas. Des précisions sur ce retour. Il y a quand même une passion entre vous et cette personne qui peut être éloignée, distante, à l'étranger, dans une autre région. Et on parle d'échec. Donc là, en gros, moi, ce que j'entends, c'est que si cette personne souhaite revenir ou vous revenir vers quelqu'un juste pour du charnel, bah là, c'est un échec. Là, c'est bloqué. C'est parce que, en tout cas, cette relation voudrait. Cette personne, vous. On me dit que vous attirez à vous ce que vous pensez par rapport à l'échec. On me dit que vous avez
En fait, vous êtes éloigné, où il y a de la distance, vous êtes vengé pour certaines personnes. On parle de trahison ici. Et qu'on va essayer de s'éloigner et prendre de la distance de cette trahison, concrètement. Parce que vous surprotégez votre cœur. Bon, il y a un changement par rapport à ça. Il peut y avoir ici de la jalousie parce qu'on peut me parler triangulaire ou une tierce qui bloque cette situation, cette personne, vous. Entre vous et cette personne, il y a une personne qui bloque. Et en tout cas, on montre ici quand même de l'amour. Et ça amènera de l'abondance, quelque chose en lien avec le matériel. Je ne sais pas si ça vous parle, les petits anges. En tout cas. Bon, à la finalité, il y a quand même des énergies plutôt positives. On va aller voir maintenant avec celle-ci. Ah non, 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 faut pas tomber. Ok, j'ai deux messages pour vous. Changement de voie à cause d'un burn-out. Pour certaines personnes, vous avez été tellement mal que du coup, vous avez changé de voie. Ou que ce burn-out que vous avez peut-être aujourd'hui, quand il va se régler, se réparer, il y aura un changement de voie au mois de janvier. Donc peut-être des choses qui vont changer dans une situation. Des détails. N'hésitez pas, hein, si vous avez eu le coup de cœur pour plusieurs choix là, à regarder un, deux ou les trois, hein, peu importe. Alors. Que peut-être qu'il y aurait plus de détails. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre par rapport à votre question? Nouveauté, nouveau projet, enfant pour certaines personnes en profitant de l'instant présent. Votre vie amoureuse sera influencée en tout cas par les enfants. On me dit que, elle est à l'envers, on me dit qu'elle va vous permettre aussi de vous éloigner d'un isolement. Et que là, on me dit que vous n'allez pas laisser partir votre ex. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de retour. Donc, il y a des choses qui vont peut-être se régler, s'arranger. Là, on me dit, cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, mais peut-être que la manière dont vous agissez n'attire pas votre âme sœur. Hein. Justement, peut-être que vous la repoussez inconsciemment, inconsciemment ou consciemment. Ok, voilà mes petits anges pour ce petit tas. On passe maintenant. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez un tirage personnalisé, allez juste sous cette vidéo. Pour avoir les infos nécessaires pour une consultation. Allez, on passe maintenant à la petite fiole où il y a écrit Je pense à toi. Alors, on y va. Peut-être que vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Alors, le message. Alors, il y a peut-être ici l'anniversaire de quelqu'un, dans pas longtemps. En tout cas, il y a un message d'amour dans ce message. Bon anniversaire, ma chérie d'amour, que j'aime. Là, il y a peut-être ici des personnes qui vont fêter leur anniversaire ou fêter un anniversaire. En tout cas, ici, il y a des messages d'amour. Hop. On y va. Du coup, vous allez poser une question. On me dit agissez par rapport à votre question. Les choses dépendront seulement de vous. Repenser à la manière de faire ou d'agir, quelque chose arrive de mieux
grâce à des relations qui vont vous être profitables. Affirmez-vous, restez positif. Vous êtes prêt, prête, croyez en vous. Il y aura un rétablissement, des choses qui vont se rétablir. Donc déjà, c'est un petit peu des messages par rapport à votre question. Maintenant, on va aller plus loin. Donnez-moi des détails par rapport à la question que ces personnes ont posée. Ok. On me dit ici que par rapport à votre question, il y a eu des décisions qui ont été prises. Mais finalement, il y en a, ils regrettent cette décision. Vous voyez, j'ai la décision à l'envers. J'ai dit ça, j'ai fait ça, mais en fait, je ne sais pas trop quoi, je suis perdue. On parle ici de naissance de quelque chose de nouveau par rapport à cette situation. Vous ressentez ici de la culpabilité pour certaines personnes et vous essayez de vous éloigner de ce genre de culpabilité. Faites un vœu. Votre vœu se réalisera. Là, en tout cas, c'est une carte de protection. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à la non-communication dans une situation. Avec une personne qui peut-être est à l'étranger, éloignée, avec qui peut-être il y a une distance, un éloignement. Dans une autre région. Là, on me dit que l'univers vous laisse l'opportunité d'avoir les billes dans les mains, donc pour agir. Là, on me parle de chance ici qui arrive à vous par rapport à tout ce qui a été conflit, désaccord. Là, on peut me parler d'une tierce personne qui bloque. Vous aurez de la chance en tout cas par rapport à tout ce qui peut bloquer dans une situation par rapport à votre question. Hop. Ok. J'ai des cartes qui se sont retournées, mais il y a trop de cartes. Donc là, on me parle de réunion, de rendez-vous, de voir plusieurs personnes peut-être, de communiquer, de parler. On me parle d'une femme. Donc peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à une femme, ou discuter peut-être avec des amis, la famille, en lien avec une femme. On me parle d'accusations. Et on me parle de situation qui revient. Donc là, on me parle de retour. C'est marrant parce que le premier tas parlait aussi de retour. Quelque chose qui se répare. Donc là, il y a une séparation. Et en fait, avec cette carte, ça me montre que du coup, des choses se règlent. Des choses se réparent. Et que ce sera vraiment beaucoup plus positif. Parce que j'ai la pile qui montre le positif. Le boomerang. On me dit aussi que ce que vous avez semé, vous le récoltez. On me parle ici d'opportunités, d'ouverture qui arrive à vous. D'un choix qui va être fait. De contrat, de signature. D'un choix qui va être fait aussi par rapport à un désengagement. Du coup, ça amène quoi? Des contrats, des signatures, une union, un désengagement, des choses à régler. Et de joie, de bonheur et de succès. Avec un peu de temps. Alors, cette carte, à la base, elle était à l'envers. D'accord? Donc là, il y aura un choix à faire par rapport à un désengagement. Ce qui arrive derrière, c'est du coup l'union, l'engagement. Donc là, il y a un retour de quelqu'un. Ça mettra un peu de temps. Mais j'ai l'impression qu'on me dit félicitations parce que vous allez avancer vraiment dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez, dans vos faits, par rapport au passé, comment vous avez agi avant. Là, vous agirez différemment. Là, on me parle ici d'une personne en face de vous qui est pareille que vous.
Donc, ce que vous pensez, cette personne le pense. Comment vous agissez, cette personne agit pareil. Donc, si vous, vous agissez pas, cette personne n'agira pas. Si vous, vous agissez, cette personne agira. Donc, il y a comme un lien d'âme très très fort entre vous et cette personne. Quand vous, vous pensez à cette personne pense à vous. Quand vous, vous ressentez cette personne ressent, vous ressent. Quand vous, vous regardez votre âme, cette personne regarde son âme. Donc, il y a vraiment ici une notion très très forte au niveau spiritualité. Et en tout cas, il y a des projections, des projets qui arrivent ici en par rapport à une personne. Ok, bon. Bah allez, on va passer maintenant. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à me contacter. Vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo, mes petits anges. Je vous envoie plein d'amour et plein de positif. Ok, donc on y va. On va maintenant passer au petit Bouddha. Un Bouddha qui rigole. Allez, on va faire celle-ci. Non. Qu'est-ce que je voulais faire? Poser une question, on va y répondre déjà. Attendez, c'est pas le bon moment par rapport à votre question. C'est pas le bon moment, du coup. Attendez, c'est pas le bon moment et j'ai la carte qui tombe. Donc, merci pour la synchronicité. Il y a de grands changements qui arrivent pour vous. Mais pour l'instant, c'est peu probable. Il y a des choses à faire, des choses à régler. On parle des prochains mois. Vous devez lâcher prise. En tout cas, pour l'instant, il sera question de lâcher prise, on dit dans un an ou en tout cas de aujourd'hui à l'année prochaine. Pour l'instant, ça mettra du temps, en tout cas. Ok. Des détails par rapport à la question que les personnes qui ont choisi le Bouddha ont choisi. Ont posé. La réponse à la question. Des détails. Aux personnes qui ont posé une question. Et qui ont choisi le Bouddha. Me connecte à la source divine pour répondre à leurs questions. Bon, il y a quelque chose qui va pas au niveau sentimental. Là, on a le cœur brisé pour certaines personnes, mais vraiment pas bien. Là, il y a une notion de déménagement, de s'éloigner, de prendre de la distance, d'un changement en lien avec tout ce qui est lieu. On parle ici, mes petits anges. De choses à régler en lien avec tout ce qui est notaire, avocat, loi, justice. Les choses iront plus rapidement que prévu. On parle de disputes, de cassures, qu'il y a eu pas mal d'épreuves, qu'il y a eu pas mal de choses sur votre route et que les choses pourront peut-être s'arranger, se régler. En tout cas, peut-être dans le mois, il y a des choses qui s'arrangent, mais on parle quand même de mars, avril, mai. Vous allez vous éloigner petit à petit des mauvaises personnes, des méfiances, des peurs. Et on parle ici d'enfants aussi, de choses à régler en lien avec des enfants. On peut me parler ici d'une fille, d'un garçon, d'un jeune homme, d'une jeune fille, qui a quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à une situation. Plus de détails par rapport à votre question. J'ai mars, avril, mai là, qui ressort encore une fois. On me montre ici un homme qui a des doutes, des questionnements par rapport à tout ce qui est passion, par rapport à tout ce qui est projet, par rapport à tout ce qui est cœur, amour, sentimental. On a des doutes ici sur le fait que les choses puissent réellement grandir ou pas. Juste détail. Déménagement. Il y a un projet ici qui se règle, qui s'arrange, n'ayez pas peur. Les choses se feront peut-être dans l'année, hein, dans les prochains mois. Lâcher prise, c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui. Vous voyez? Vraiment, vous mettez ce que je vous dis dans votre situation. Là, on me montre ici qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Ça peut être la campagne, hein, tout simplement. Mais il y a des choses qui peuvent se régler, se réparer par rapport à ça. On me dit que, il y a une femme qui coupe quelque chose, qui du coup permettra l'abondance de régler, réparer et un changement, une transformation. D'accord? Donc il y aura des négociations, des compromis, un cadeau du ciel, un choix qui sera fait entre deux lieux, deux personnes. On me dit ici
équilibre qui sera retrouvé pour vous, des économies d'argent, de l'abondance. Donc il y en a, ils sont en train de débloquer l'abondance hein, ici. C'est cool. Ok, plus de détails par rapport à ce tirage, à vos questions. Bon, là, il y a le retour d'une personne. Oh, ça peut être des flashbacks aussi, hein, des pensées. Il y a toujours des pensées qui reviennent d'une personne. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Un choix qui a été fait, qui était brusque, elle était à l'envers. Donc, en fait, vous avez fait un choix et vous avez peut-être un regret par rapport à un choix qui a été fait. On me dit que vous allez revoir cette personne dans les 3 mois, dans les 3 semaines. En tout cas, il y aura une rencontre de cette personne, vous allez la voir. Là ou le voir. Ce sera chaud, ce sera hot, ce sera brûlant, ce sera. Ça va bouillonner en vous. Ça peut être ici, cette personne, peut-être qu'elle a des énergies de parents, enfin de papa ou de maman. D'accord, j'ai le papa qui ressort, ça peut être vous aussi. Il y aura des doutes, des questionnements, de la prise de recul, des réflexions, la confusion. Vous allez vous demander, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et là, on parle d'engagement. Waouh! En fait, il y a ici un engagement, une fusion avec une personne. Ça arrive. Alors, ça peut être une personne du passé. Ça peut être une nouvelle personne pour d'autres. Enfin, en tout cas, vous mettez dans la situation où vous êtes. En tout cas, il y a de l'amour, de la passion entre vous. On parle de contrat, de signature, de mariage, d'engagement, d'amour. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'intègre, de loyal, qui a toujours été sincère envers vous. Ça peut être vous aussi qui a toujours été. Vous voyez, j'ai la carte de la fausseté à l'envers. C'est pas quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui agit dans le vrai, qui agit sur le tas, c'est qui dit ce qu'elle ou ce qu'il ressent. Ouais, là on parle de quelqu'un en lien avec la famille, on parle de relations stables, durables. Bon, en tout cas, waouh. Mais peut-être qu'il faut lâcher prise. C'est pas le bon moment, parce qu'il y a des choses à libérer. Ouais. On parle de guérison pour l'instant. Pour l'instant, c'est non parce qu'il faut guérir. Là, il n'y a pas de guérison qui a été encore finalisée, qui a été faite. Du coup, c'est pas le moment. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Ok, voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, aidé, soutenu, aiguillé. En tout cas, je vous envoie plein de positifs, plein d'amour inconditionnel, plein de choses au top pour vous. Et puis, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine vidéo.